C'est simple, nous allons chanter ensemble. C'est par la grâce, c'est par la grâce, c'est par la grâce, c'est par la... Est-ce qu'on peut chanter ensemble? C'est par la grâce, c'est par la grâce. Pourquoi moi, c'est pas la grâce, c'est pas pourquoi seulement toi, pourquoi seulement toi ce matin, pourquoi seulement toi, oui nous chantons, tu n'étais pas le seul, mais pourquoi seulement toi, parmi les autres, croyez-vous que c'est la grâce ce matin? Quand l'ange était tombé, tu ne t'étais pas soucié. Quant à la chute de l'homme, tu as laissé ton royaume. Les 24 veillards, ainsi que tous les anges, dans le souci de me sauver. Un jour, je pouvais me demander, qu'est-ce que j'ai donné à ces grands Jéhovah pour m'épargner de là. Pourquoi seulement toi? Est-ce que c'est la grâce? Chantons pour la croix du Seigneur. Pourquoi seulement toi? Oui, nous chantons. Il a laissé tous les autres. Mais pourquoi moi? Pourquoi seulement moi? De Moïse, on donna la loi de tuer tous les fils nés. Moïse pouvait être tué, mais la grâce y sauta à l'oreille de la fille de Pharaon, se dirigea à la mer, récupérant les petits paniers. Là-dedans, Moïse y était, Moïse y était, Moïse fit épargner. Mort. Il pouvait s'élever pour élever le défi. Et pourquoi frère Moïse? Un jour, il pouvait se demander, mon Moïse, qu'est-ce que j'ai donné à ce grand Jéhovah pour ne rien tomber que sur moi? Pourquoi frère Moïse? Pourquoi frère Moïse? Moïse, oui nous chantons, il a laissé tous les autres. Pourquoi c'est ma moi? Pourquoi c'est ma moi? Oh nous chantons. Maintenant écoutez ceci, nous sommes où? Nous sommes où? À Kentucky, n'est-ce pas? Écoutez ce que Dieu a fait aujourd'hui. Du ministère du fils de l'homme, cela n'avait pas pris à Dieu de choisir un théologien, pas un savant, pas même un astronaute. Il descendra à Kentucky, équipera William Branham. En dehors des nations, il a pris une partie de son nom. Pourquoi seulement frère Branham? Il pouvait se demander un jour. Il pouvait se demander, moi Branham, qu'est-ce que j'ai donné à ce grand Jéhovah pour ne rien tomber que sur moi? Pourquoi frère Branham? Pourquoi frère Branham? Parmi les autres. Fils de Dieu, mais pourquoi seulement toi? C'est pas la grâce. Autrefois dans le monde, aujourd'hui fils de Dieu, pourquoi seulement moi?
maintenant nous chantons les actes du Saint-Esprit. Frère Branham nous dit, ce n'était pas les actes des apôtres, mais c'était les actes du Saint-Esprit dans la vie des apôtres. Si tu as le Saint-Esprit, tu refléteras la même vie qu'a reflété Christ autrefois. Le Saint-Esprit dans la main, c'est la marque différente. Le Saint-Esprit dans la main, c'est la marque différente. Vous le reconnaîtrez par les fruits. Vous le reconnaîtrez dans le langage, dit Jésus. Alléluia! Comme il agissait autrefois dans la vie des apôtres, comme Pierre s'était nala devant la porte de Babel. Je n'ai ni or ni argent, mais moi ce que j'ai, reçois-le au nom de Jésus. Reçois ton baptême, reçois-le au nom de Jésus. C'est le même Saint-Esprit, il produira la même vie comme autrefois dans la vie de William Branham. Comme autrefois dans la vie de mes frères, c'est que je sais, le Saint-Esprit dans la main, c'est la marque différence. Le Saint-Esprit dans la main, c'est la marque différence. Oui. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Quand ils se mettront à parler au deuil, vous les reconnaîtrez dans leur langage, dit Jésus. Frère Branham nous a dit, si un frère est sauvé, il ira à la recherche d'une âme qui est perdue. Si mon âme est sauvée, j'irai à la recherche de mon frère qui est tombé, de ma soeur qui est tombée, de cette âme dans la boue il y a longtemps. Mais que fais-tu mon bien-aimé quand tu apprends que Ben est tombé? Tu en parles tous les jours, ça devient votre actualité. Retournons, oh, c'est ma terre. Cette fois-ci, pratiquons la parole, car moi, ce que je sais, le Saint-Esprit dans la main, c'est la marque différence. Le Saint-Esprit dans la main, c'est la marque différence. Vous les reconnaîtrez par les fruits. Quand ils se mettront à parler, oui, vous les reconnaîtrez dans les langages. Ce n'est pas fini, Dieu nous dit, même si tu me trahis comme Samson, ma fidélité dira toujours. Nous allons dire ensemble, encore une fois, renouvelle ma force. Encore une fois, renouvelle ma force, Seigneur. Je ne vais pas trahir la parole. Après ma rétro-réflexion, j'ai résolu dans ma vie que je n'étais plus à mon poste ni devoir. Pendant que la création attendait voulant voir Dieu dans la chair, pendant que la nature gémissait voulant voir Dieu dans des hommes, moi j'ai fait sourd oreille mon sauveur. Moi je parlais à mal, même mon cher pasteur. À ce moment-là, je parlais à mal des bien-aimés qui me rendaient visite. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Cette fois-ci, que j'ai parlé comme toi, que je chante comme toi, Jésus.